travaux de la commune, on s'est déjà orienté en fait vers l'isolation de deux bâtiments communaux. Le pôle médical, qui en plus vient d'être rénové à l'intérieur, on vient d'accueillir un médecin, donc ça nous permettait de réhabiliter cet ancien bâtiment patrimonial. Et puis une petite salle d'activité qui accueille à la fois les anciens et à la fois le RAMI, qui est le relais d'assistante maternelle itinérant. Donc c'était deux bâtiments emblématiques pour nous, pour la commune. Et puis en fait, Pontpoint est quand même, bien que dans le Jura, est bien situé par rapport au photovoltaïque. Donc pour la population, on a aussi décidé de financer via le TCV un cadastre solaire. C'est-à-dire que les habitants pourront tous savoir si leur toit peut recevoir des panneaux, du solaire thermique ou du solaire photovoltaïque. Et le deuxième volet donc, qu'on a développé sur Pontpoint, bien qu'on soit une petite commune, on est une commune très touristique avec beaucoup de passages. Donc c'était le développement des parkings et un projet qui s'appelle Pontpoint à pied. Donc des parkings, des voies douces pour aller au centre-ville et découvrir aussi notre port et le belvédère sur le lac de Bourgogne.